Bonjour mes chers élèves de la quatrième année primaire. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, on va travailler une leçon de conjugaison, conjuguer les verbes du premier groupe à l'imparfait de l'indicatif. On passe maintenant à l'observation découverte. J'ai des exemples. Ces jeux rassemblaient les meilleurs athlètes. Tu fermais la porte à double tour. Il célébrait la paix. Observez bien avec moi, mes chers élèves, les trois phrases. Ces jeux rassemblaient les meilleurs athlètes. Tu fermais la porte à double tour. Il célébrait la paix. Observez bien avec moi les verbes en bleu. Quel est l'infinitif des verbes en bleu? Oui, le verbe rassembler. Oui, c'est un verbe du premier groupe. Fermer. Oui, le verbe fermer avec se termine par er, alors c'est un verbe du premier groupe. Célébrer, oui, aussi c'est un verbe du premier groupe, alors ce sont des verbes du premier groupe. Rassembler, fermer, célébrer. Observez bien avec moi les terminaisons des verbes conjugués a e n t, a e s, a e a n t. Oui. On passe maintenant à la deuxième consigne. À quelle personne sont-ils conjugués? Le verbe rassembler se conjugue à la troisième personne du pluriel. Le verbe fermer se conjugue à la deuxième personne du singulier, pardon. La deuxième personne du singulier, tu. Le verbe célébrer se conjugue à la deuxième, à la troisième personne du pluriel. À quel temps sont-ils conjugués? Oui, les verbes sont conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Ce sont les terminaisons de l'imparfait. A-E-E-N-T, A-E-S, A-E-E-N-T. Ce sont les terminaisons de l'imparfait. Oui, mes chers élèves. Maintenant, on va passer à la règle générale. L'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. Il est souvent utilisé pour raconter une histoire ou un récit. Il sert à faire la description des lieux, des personnages ou des faits passés. Les terminaisons de l'imparfait sont les mêmes pour tous les verbes. Faites attention. Les terminaisons de l'imparfait sont les mêmes pour tous les verbes, soit les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe ou les verbes du troisième groupe. Les terminaisons sont les mêmes. Maintenant, on va voir les terminaisons de l'imparfait. Je, A-E-S, tu, A-E-S, il, elle, en, A-E-T, nous, I-O-N-S, I-O-N-S, vous, I-E-Z, il, elle, A-I-O-N-T. Alors, observez bien les terminaisons de l'imparfait. A-E-S, A-E-S, A-E-T, I-O-N-S, I-O-Z, A-I-O-N-T. Très bien. Maintenant, on va conjuguer un verbe du premier groupe comme un exemple. Alors, le verbe couper. Observez bien. Pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait de l'indicatif, on barre la terminaison er et on garde le radical cou. C-O-U-P. Alors, je conjugue ce verbe à l'imparfait. Je coupe. Alors, je mets les terminaisons du de l'imparfait. Tu coupais, A-E-S. Il, elle, ont coupé, A-E-T. Nous coupions, I-O-N-S. Vous coupiez, I-O-Z. Il, elle, coupait, A-I-O-N-T. Alors, comme ça, on conjugue tous les verbes du premier groupe. On barre la terminaison R et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. C'est facile, mes chers élèves, à conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait de l'indicatif. Maintenant, faites les exercices suivants de la page 177, exercice 1
et 2. Je m'exerce à la maison. Et merci pour votre attention et à la prochaine séance.